Bonjour tout le monde, on se retrouve pour, j'ai des messages pour toi, donc j'avais retourné la carte, donc je recommence puisque je ne veux pas savoir quel est le signe avant la fin du tirage. Hein. Donc j'ai des messages pour toi, je vais prendre les trois derniers signes qu'il me restait sur les énergies du jour, puisque les énergies du jour... vu la courbe des deux derniers jours dans l'analytique, pour l'instant, on va mettre ça en pause. Allez, tu me donnes des messages les plus clairs, précis. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, et j'espère que vous pourrez avoir des réponses à des questions que vous vous posez. Je vais faire un tableau en 12 cartes. Allez, donne-moi des messages clairs pour les personnes qui vont regarder ce tirage. On y va. Bon, la solitude. Bon, alors, la solitude, c'est pas un malheur, hein. La solitude, ça veut dire que peut-être on a besoin de solitude. On a peut-être besoin de se recentrer sur soi. De ne pas se disperser, c'est quand même la carte numéro 9, donc la carte numéro 9 en même temps, elle nous parle quand même d'être en retrait pour trouver des réponses et de presque arriver à un aboutissement, hein. 9, 10, on arrive à l'aboutissement de quelque chose grâce à voilà, prendre du temps pour soi, se recentrer, peut-être étudier une situation, faire un petit bilan, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai accompli et qu'est-ce que je pourrais accomplir maintenant. Puisque sur ce livre, on a une page où il y a des choses écrites et une autre où il n'y a rien d'écrit. Donc, comment je fais pour continuer à écrire l'histoire de ma vie? Je passe à un nouveau chapitre grâce à un moment de réflexion. On n'est pas ici dans la dispersion, on ne part pas dans tous les sens. On a vraiment besoin, je pense, de se recentrer sur soi. Et ça va être gagnant. Ça va être gagnant ici. La fertilité. Alors, on peut nous parler ici de maternité, de prendre soin d'un nouveau projet, d'avoir de nouvelles idées. En tout cas, il y a quelque chose de très fécond à l'issue de ces moments de solitude dans les jours, les semaines qui arrivent, que vous allez avoir. Ça va vraiment vous permettre de vous recentrer de manière à évoluer, de manière à aller plus loin. Effectivement, vous allez pouvoir écrire ce nouveau chapitre. Donc, très, très belle énergie ici. Ce n'est qu'une question de temps, les amis. D'accord? Ici, on va pouvoir lentement, mais sûrement, mettre des choses en place. C'est vraiment une répétition d'action suite à ces moments où vous allez vraiment prendre le temps de voir où vous en êtes et où vous voulez aller, de trouver des idées, de trouver des solutions par rapport à une situation. Ça va vous permettre d'enclencher un processus. Oh là là! Non mais regardez-moi ça. Vous allez réussir. Quoi qu'il arrive, vous allez réussir à atteindre vos objectifs. C'est magnifique. Vous allez rayonner. Vous allez rayonner. Vous avez peut-être même besoin, quand je dis s'isoler, c'est peut-être aussi s'isoler de tout ce qui vous disperse, de tout ce qui est inutile. Qu'est-ce qui est inutile dans votre vie? Qu'est-ce qui ne vous apporte rien au niveau relation, au niveau loisir, au niveau passe-temps? Ok, on a encore une notion de temps ici avec la patience. Très bien. Oh là là, non mais... On a le soleil et l'étoile, hein, donc je ne sais pas moi ce qu'il vous faut, mais vous allez vraiment...
porter avec, avec soin, porter avec soin ces nouveaux projets. Vous allez être à la fois acteur et spectateur de votre réussite. Alors, ça pourrait entraîner des petites déceptions, des conflits avec certaines personnes autour de vous, puisque les conflits, quand on ne les a pas tout seul, hein. On les a avec les autres. Et ici, il y a peut-être une notion de retard, hein. Vu qu'on prend son temps, vu qu'on met les choses en place, il y a peut-être des personnes autour de vous ou qui ne vont pas être d'accord avec ce que vous voulez faire, hein, ce que vous voulez entreprendre, hein. Ou alors des personnes qui pourraient vous mettre dans des bâtons dans les roues, c'est pas le mot. Mais essayez de vous décourager ou vous retrouver dans ce projet face à des moments ponctuels, je dis bien ponctuels, où, mais, oh là là, est-ce que vraiment je vais y arriver? Des petits moments de doute où on n'a pas envie de lâcher l'affaire, mais où on a un peu de démotivation. Ouais. Alors attention, vraiment, je mets l'accent sur si je veux réussir ce projet, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier? Parce qu'ici, j'ai cette notion. Il faut que je tourne le dos à quelque chose. Hein. Il faut que je m'éloigne de quelque chose hein, pour pouvoir vraiment mener ce projet à bien. Cette notion de sacrifice, elle est réelle. Vous ne pouvez pas vous investir dans quelque chose si vous ne sacrifiez pas ce qui est inutile. Il va falloir choisir. Choisir. Qu'est-ce que je garde? Dans quelle direction je vais? Vous allez réussir à choisir. Prenez le temps. Le temps, vous l'aurez déjà pris là. Mais refaites des pauses, hein, et c'est ce que vous allez faire, je pense. Hein. Refaire des pauses régulièrement, bilan. Comment je réajuste? Comment j'affine? Comment j'organise mieux? Waouh! Réussite. Réussite. Ne vous laissez pas décourager par les autres ou par des petits moments de fatigue, des choses imprévues qui vous déstabilisent. Magnifique. Vous allez grâce à ça avoir un changement au niveau matériel, au niveau financier. Ici, on nous parle de changement financier et matériel. On voit bien qu'il y a une réussite, il y a une évolution pour moi. Vous ne pouvez pas être bien. Vous ne pouvez pas être bien si vous ne réussissez pas sur le plan financier. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir une meilleure assise, une meilleure sécurité financière? C'est vers ça que vous tendez et ça va impacter tout le reste de votre vie. Sortir des relations toxiques et qui ne servent à rien ou des relations médiocres. Ce n'est pas pour vous. Grâce au fait d'améliorer votre situation financière, de mener des projets à bien, il va y avoir quoi à l'issue? Une rencontre amoureuse. Un nouvel amour. Pour ceux qui sont déjà en couple, une nouvelle dynamique dans votre relation amoureuse. Les choses sont beaucoup plus sereines, fluides. Elles avancent dans votre relation amoureuse. C'est un peu comme un nouveau départ dans votre relation grâce au fait d'avoir épuré, d'avoir projeté, d'avoir planifié, organisé, ne pas lâcher l'affaire malgré les petits moments de découragement. On voit ici pour les couples une amélioration de la relation grâce au fait que financièrement il y ait des choses qui aillent mieux. Et pour les célibataires, je pense un nouveau départ amoureux. Alors, évidemment que quand on vit beaucoup mieux
sur le plan financier, qu'on est à l'aise et en sécurité. On peut se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre quand on est en mode pauvrette. Donc, mettez l'accent, je pense, sur les choses que vous n'avez pas accomplies pour gagner plus d'argent ou pour mener des projets à bien sur le plan matériel et financier. Ça va vraiment vous amener une plus-value, une assurance. Quand je dis ça, je veux dire, évidemment que quand on est plus à l'aise financièrement, on se sent mieux face à l'autre. Quand on rencontre quelqu'un, on est beaucoup plus sûr de soi, en confiance. Quand on va bien dans sa vie sur le plan financier et matériel, on ne cherche pas à tout prix à rencontrer l'amour. D'ailleurs, c'est là qu'on le fait maladroitement, parce qu'on est vraiment en mode pauvrette matériellement et amoureusement. Donc, on se transforme en mendiant ou en mendiante de la love-love. Tandis que quand on est bien, quand on est aligné, quand on n'a pas de soucis financiers, et Dieu sait que en ce moment, c'est vraiment essentiel, là, on est tout à fait libre. Tout va bien. Donc, on n'est pas en mode mendiant ou mendiante de la love-love. On nous parle ici des Gémeaux. Les Gémeaux, je vous fais de gros, gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!